satisfait. D'autres ont peut-être des missions plus importantes sur cette terre, Bartleby, mais la mienne est de te procurer un bureau aussi longtemps que tu le jugeras nécessaire. Mais enfin, que devrais-je faire? Que puis-je faire? Ne vois-tu pas qu'il est dangereux? Quand je vais à ton bureau et qu'il n'y a personne d'autre que lui, me dirait-il où vous êtes? Il reste, immobile, au milieu de la pièce, silencieux comme une tombe. Des clients désertent lentement mais sûrement ton bureau. Ton envie de vouloir l'accueillir est tout à fait respectable. Mais as-tu pensé à la possibilité qu'il vive vieux, occupant ton bureau, dénigrant ton autorité, et finalement faire valoir ses droits sur ton bureau après toi? Me débarrasser de lui, il le faut. Partir, il le doit. Mais comment? Tu ne jetterais pas dehors ce pauvre, pâle, passif, mortel? Tu ne jetterais pas cette créature inoffensive dehors? Non. Je ne pourrais pas faire cela. Le fait est que c'est une nuisance. Tu dois le faire partir, de gré ou de force. Enfin, je ne vais pas appeler la police. Jeter sa valeur innocente dans une quelconque prison. D'ailleurs, pour quel motif pourrais-je faire cela? Pour vagabondage? Lui, un vagabond qui refuse de bouger? Alors quoi? Malgré ton énervement, il ne bouge pas. Les pots de vin, il laisse sur ton bureau. Bref, il est clair qu'il préfère s'accrocher à toi. Eh bien, change de bureau. Déménage. Et dis-lui clairement que si tu le revois dans ton nouveau bureau, tu le fais arrêter, comme un voleur.